Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. On est en voiture, on descend au restaurant. Voilà, il est quelle heure là? 10h, c'est 10h. Il est 10h, c'est dimanche matin et on va travailler. Ouais. Voilà, après une soirée très costaud, on avait beaucoup de monde hier soir, on a bien travaillé. Un peu crevé. On est crevé, on n'en peut plus. Donc là, on est en train de descendre dans notre petit restaurant. Romy est derrière, tranquille. Je pense qu'elle va pas tarder à s'endormir. Elle est crevée d'habitude le matin. Je la recouche toujours au moins une heure, voire deux heures des fois. Mais bon, là, pas le choix. On descend au resto. Papa, ouais, je suis là. Romy. Maman. Je coupe la vidéo. Non, mais sans déconner, regardez Flo. On dirait qu'il a 5 ans. Bon, bah du coup, Romy ne s'était pas endormie en voiture. Donc, j'ai dû faire un petit tour de village pour qu'elle puisse s'endormir et surtout que je puisse dresser ma terrasse avant que les clients arrivent à midi. Bon, bah ça y est, Romy s'est enfin endormie dans la poussette. Maintenant, je fonce dresser ma terrasse avant que midi arrive. Sinon, je sens que mon père va pas être content. Bon, bah ça y est, ma terrasse est terminée. J'ai tout dressé. Maintenant, je vais me boire un Liptonic fraise. J'adore ça. C'est trop la base. En tout cas, j'en bois souvent. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, vraiment, c'est trop bon. Je rajoute dedans du sirop de fraise des bois, généralement, et c'est encore meilleur. Bon, bah ensuite, je suis rentrée à la maison avec Romy, qui a fait une petite heure de sieste. Du coup, ça m'a laissé le temps de me reposer un peu. Je me suis assoupie, j'étais vraiment fatiguée. Cette chaleur, franchement, elle est épuisante. Ensuite, ma petite princesse est donc réveillée. Je lui ai donné le goûter, comme vous pouvez le voir. Une bonne petite compote, un boudoir et un yaourt Nestlé riz au lait, ouais, ou semoule de lait. Elle adore ça à chaque fois, elle me fait trop rire. Dès qu'elle voit à peine le paquet, le petit pot, elle tape des mains, elle ouvre bien la bouche. Vraiment l'air de me dire « Maman, donne-moi vite mon yaourt, j'adore ça ». Donc voilà, du coup, j'ai profité de ce petit moment avec elle. J'adore lui donner le goûter parce que généralement, je prends le goûter en même temps qu'elle. Donc c'est assez sympa, je lui fais goûter un peu ce que je mange. Quand c'est des fruits, je lui donne des petits morceaux de fruits. L'histoire qu'elle mange pas non plus que des trucs trop sucrés. Donc après le goûter, comme d'habitude, généralement, j'aime bien faire jouer Romy. J'essaye surtout en fait de la fatiguer à fond, ça peut paraître un peu bizarre, mais bon. J'essaie de la fatiguer à mort pour que du coup le coucher se passe bien, qu'elle soit bien fatiguée et que ça se passe assez rapidement. Donc ainsi, fond, toutes les comptines que les enfants aiment, tous ces petits jouets. Et généralement, l'après-midi, enfin la fin d'après-midi passe rapidement. J'essaye de la sortir aussi un peu au parc du village, histoire qu'elle prenne l'air en fin de journée quand il fait un peu plus frais. Ensuite, on passe au rangement. Donc évidemment, comme toutes les mamans, je pense qu'on se reconnaît toute la robe de chambre, la queue de cheval, et ça y est, on range tout. Donc j'en ai pour environ 10-15 minutes pour ranger tous les jouets, faire un peu mon ménage de fin de journée. J'aime bien danser devant Romy, et du coup, elle est toute contente. Elle bouge des mains. Je sais pas pourquoi, mais elle danse pas encore, en fait. Romy, sa façon de danser, c'est de bouger les mains dans tous les sens. Donc, c'est assez étrange. Je pensais qu'elle danserait un peu de tous les sens, mais non, pas encore. Bon, voilà, là, c'est Flo et moi en voiture. Donc, ça y est, on se dirige vers le restaurant pour attaquer le service du soir. Donc, petite discussion, on parle de tout, de rien. Et là, voici donc le super panorama, le beau paysage avant d'arriver dans notre restaurant. Donc c'est Solacaro, si vous voulez regarder sur internet. C'est un petit village en Corse du Sud. Il est vachement mignon. Coucou les filles, bon, du coup je vous reprends dans le vlog maintenant. Comme vous avez pu le voir un peu avant, j'étais en train de faire tout ce qui est ménage, rangement, jouer avec Romy, lui donner le goûter. Et là, du coup, je suis avec une petite copine, Maëlys, du village, et on promène Romy. On va l'emmener à la rivière, enfin la rivière, dans un petit fleuve, enfin, pas un fleuve, un petit bac, enfin, il y a de l'eau, enfin, un petit truc comme ça, dans le village de Solacaro. J'ai mis ma petite combinaison. Voilà, j'espère que je ne vais pas avoir trop chaud, mais bon, normalement, je ne devrais pas avoir trop chaud. C'est un peu aéré ici, il y a du vent. Et puis Romy, elle est très ronchon aujourd'hui, c'est... C'est usant.
Bon, bah, je vous reprends un peu plus tard dans le vlog. Du coup, je suis allée promener avec Maëlys, la petite fille que vous avez vue en vidéo avec moi, et Romy. On l'a fait tremper un peu dans le petit, comment on peut dire ça, un petit point d'eau en fait dans le village. Et là, je rigole parce que ma soeur est en train de me fixer, parce que je suis en train de parler à ma caméra. Voilà, je vais pas recommencer mon vlog 150 fois. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Bon, je débute donc faut être indulgent. Mettez des petits pouces bleus et n'hésitez pas à partager du coup mon YouTube. Bonne soirée à tout le monde.